هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Qu'il soit reconnaissant ou ingrat, l'homme reçoit des faveurs de la part d'Allah. Et une des plus grandes faveurs qu'il nous a accordées, c'est de nous avoir créés alors que l'on n'existait pas. Avant même que l'on soit envoyé sur terre pour cette immense épreuve qu'est la vie, s'est passé quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Revenons 200 ans auparavant. Qui est-ce qui voit cette vidéo et qui était déjà vivant? Après sa naissance, l'être humain grandit encore et encore, en profitant pour certains de la richesse, le statut, la famille et d'un endroit sain où il pourrait faire sa vie. Pendant toutes ces années où les choses ne cessent de s'accumuler pour le fils d'Adam, il y a une chose qu'il perd jour après jour et qui disparaîtra éternellement. Cette chose est le temps. Et nous n'aurons pas plus que ce qu'Allah nous a destiné jusqu'au jour du jugement. Pendant tout ce temps, le diable veut nous faire oublier une chose. Une chose qui, si nous ne l'avons pas au moment de notre mort, le diable nous aura vaincus. Et nous n'aurons rien d'autre que le désespoir. Durant toute notre vie, nous aurons des moments pour observer. Observer autour de nous ainsi que les événements qui arrivent, afin de savoir si tout ce qui nous entoure a bel et bien un créateur. Avant que l'âme de l'être humain ne soit insufflée alors qu'il est dans le ventre de sa maman, et qu'il soit informé de sa subsistance, du délai de sa vie, de ses actes, et s'il finira en enfer ou au paradis. Dans la sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et lorsque ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam, leurs descendants, et les fit témoigner contre eux-mêmes, en leur demandant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent « Oui, nous en témoignons. » Et ce, afin que vous ne puissiez plus dire le jour de la résurrection « Nous avons été pris au dépourvu. » Ou que vous ne disiez « Ce sont nos ancêtres qui, les premiers, donnaient des associés à Allah. Et nous, en tant que leurs descendants, nous n'avons fait qu'hériter leur culte. » Vas-tu nous châtier pour ce que faisaient ces négateurs? C'est ainsi que nous exposons en détail nos signes. Peut-être reviendront-ils de leurs erreurs. Imaginons que deux personnes viennent vous voir pour vous présenter des projets. L'un vous dit « Si tu suis mes conseils, tu auras la maison de tes rêves, des voitures de luxe et toutes les boissons et nourritures que tu désires. Et ce, dès que tu l'auras demandé. Par contre, tu devras payer quelques centaines d'euros et attendre pendant plus de 10 jours. Mais après cette période, tout ceci sera à toi, à tout jamais. L'autre vient et vous propose le luxe, les femmes, les plaisirs et tout ce qui vous fait envie. Mais la différence, c'est que vous l'aurez immédiatement. Pendant 10 jours, vous en profiterez pleinement. Et après ça, vous n'aurez plus jamais accès à tout ce que vous aviez auparavant. Vous l'aurez compris, le deuxième est le diable, qui nous fait de fausses promesses et nous pousse vers les plaisirs rapides. Des plaisirs qui s'enchaînent et qui, dans le cœur, laissent un immense vide. À cause de ce vide, si la personne n'a rien sur quoi s'attacher, elle continue à courir derrière ses désirs, jusqu'à ce que le temps qu'Allah lui a accordé ne soit écoulé, que la personne se rende compte qu'elle a perdu son temps et regrette ses plaisirs qu'elle recherchait auparavant. Le premier exemple représente la patience, cette patience que l'on doit avoir durant toutes nos épreuves et nos tentations, et les efforts obligatoires qui, parce qu'on les aura suivis, Allah nous donnera le paradis. Le moyen d'aller au paradis est de croire en Allah seul et de ne rien lui associer, ne jamais donner le droit d'Allah à quelqu'un ou quelque chose qui ne peut certainement pas les mériter. C'est justement ça que le diable veut éviter. Il veut empêcher le serviteur d'avoir cette relation directe avec son créateur. Il le pousse vers des choses qui ne lui profitent pas. Le fait oublier et l'aveugle pour qu'il finisse comme lui et soit écarté du paradis. Le croyant doit avoir cette envie de ne pas décevoir celui qu'il a créé. Et ne pas être vu par son Seigneur comme quelqu'un qui se sera noyé dans ses péchés et aura oublié que celui qu'il a créé le ramènera auprès de lui en un jour où il n'aura rien d'autre que ses actions pour se racheter. Dans notre vie de tous les jours, il doit y avoir cette reconnaissance envers Allah. Et cette volonté de le satisfaire après tout ce qu'il nous a donné, comme proche, comme bien matériel, comme opportunité, et par-dessus tout, cette existence, cette vie qu'Allah nous a accordée pour nous permettre d'entrer dans sa miséricorde, et donc dans son paradis. Parmi les nombreux prophètes qui ont foulé la terre, Allah leur a accordé à chacun une invocation exaucée, telle que l'invocation de Nour contre son peuple, ou celle de Suleyman pour sa royauté. Étant la dernière communauté, c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous concerne, et il l'a réservée pour nous sauver au jour dernier. Lorsque certains seront punis sans moyen de se racheter, afin de sauver sa communauté tout entière d'un châtiment que personne ne pourra supporter.
محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.